classe fait évoluer ses ancienneuses Jaguar de la série 900. La gamme ne change pas et conserve ses 6 modèles de 462 à 884 chevaux. Des évolutions ont été apportées au niveau du bloc Asher. Un nouveau système de blocage hydraulique du contre-couteau permet un réglage plus rapide et plus précis. Sa commande est réalisée depuis la cabine. Le réglage du fond du rotor allant de pair avec celui du contre-couteau. Le déplacement du contre-couteau actionne désormais l'ajustement du fond du rotor. Ce dispositif permet de conserver la régularité du flux de fourrage. La transmission et le pont avant ont été revus. En gamme champ, la vitesse maximale est désormais de 22 km/h. D'autre part, le nouveau moteur hydrostatique offre des régimes réduits lors des fourrières ou si le chauffeur s'arrête lors du chargement de benne. Le nouveau pont avant intègre un blocage de différentiel. Il intègre un mode automatique. Dans ce cas, il se désactive au-delà d'un certain angle de braquage ou au-delà de 15 km/h. Concernant l'entraînement des outils frontaux, l'entraînement mécanique peut être combiné à un entraînement hydrostatique pour plus de coupe. Cette fonction est utilisée pour entraîner la coupe direct disque, plutôt gourmande en couple lors du démarrage. Proposé seul, l'entraînement hydrostatique permet de faire varier la vitesse de l'outil frontal. Elle peut ainsi s'adapter en fonction de la longueur de coupe ou manuellement pour réagir aux différentes conditions. D'autres améliorations sont à noter, comme le dispositif autofill pour le remplissage automatique de la remorque. Il offre désormais une nouvelle fonction avec la possibilité de l'utiliser lorsque le tracteur et la benne sont derrière l'ensileuse. Notons que tous ces modèles sont équipés de série de la régulation de l'avancement automatique Cruise Pilot.